Salut à tous amis, c'est Felix Gaming, j'espère que vous allez bien, moi ça va plutôt pas mal. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo sur The Division pour l'épisode 2 de la série. Donc la dernière fois c'était arrêté après la première quête qui se trouvait par là-bas là. Non, par là, donc on montait là-dedans, puis hop. Donc là on devait retourner là-dedans pour finir la quête, enfin valider la quête et tout. Mais je me suis dit, on va pas directement finir la quête, tout ça machin, j'ai envie d'aller un peu explorer la map. Donc déjà je vous explique un peu la map pour le moment. Donc nous sommes en bêta, du coup ce qu'il y a comme problème bah, c'est qu'on a accès qu'à cette partie là de la map et non pas tout le reste. Donc vu que c'est une bêta, on a accès qu'à une petite partie de la map. Donc déjà je tiens à vous préciser que quand le jeu sortira officiellement, je vais mettre une pause à cette série parce que je n'aurai pas le jeu, je n'aurai pas accès au jeu parce que je n'ai pas encore acheté. Donc voilà, donc là j'ai mis un petit marqueur ici. Donc il y a quoi? Il faut, c'est... rapport d'incident. Donc j'ai envie d'aller voir ce qui se passe là-bas. Du coup je prends ma caméra avec vous et on va y aller ensemble. Donc bah, je me suis équipé des dernières armes qu'on a récupérées la dernière fois. Est-ce qu'on a des trucs récupérés? Est-ce que ça repop? Parce que les cases des fois elles repop tout ça. Non, ça n'a pas repop. Très bien. Oh, les ennemis on les a tués ici la dernière fois. Alors ce flingue est vraiment cool. Et hors caméra j'ai appris un nouveau sort aussi. Donc j'ai obtenu le capacité, voilà. J'ai obtenu le deuxième sort, donc que j'ai bindé sur la deuxième touche A et E. Du coup j'ai ça maintenant. Attends, je vous montre. J'aurais pu le tester ici mais regardez. Je fais A, c'est comme une grenade. Hop, ça fait ça. Et quand je veux, j'appuie, bam. Donc c'est plutôt hyper pratique cet explosif là. Alors c'est quoi ça? Je vais tout prendre hein. Ouais. De toute façon, si on a des trucs en trop, on prend, puis voilà. Alors, on va aller explorer le point que j'avais envie d'aller voir. On va faire gaffe parce que il me semble qu'au premier épisode, il y avait des ennemis dans cette rue là, il me semble. Je ne sais plus. Bon, ce que je trouve un peu dommage, c'est que sur la bêta de The Division, sur PC en tout cas, eh bien, il n'y a pas grand monde. C'est en joueur, il n'y a pas énormément de personnes qui jouent et tout, donc c'est vraiment dommage. Mais bon, on fait avec, hein, parce que moi je kiffe énormément le jeu, je m'y plais énormément sur ce jeu. Et moi j'adore ce style de jeu là, comme ça, où vous avez un personnage, un monde ouvert, des quêtes à faire, des PNJ qui réagissent à ce que vous faites, tout ça machin, c'est super intéressant. Et en plus, quand c'est en multijoueur, ça me plaît deux fois plus parce que voilà, ça m'attire vraiment des jeux comme ça, franchement. Donc, je pense que je me l'achèterai. Bah, c'est pas je pense, c'est sûr, je me l'achèterai. C'est le prochain jeu que je m'achèterai parce que franchement, il vaut le coup d'être acheté déjà. Et puis, bah, franchement, voilà, j'adore ce jeu. L'atmosphère du jeu est vraiment cool. Déjà, les lumières, tout ça, franchement, le jeu est vraiment cool. Alors, quoi? Non, je te tire pas dessus, t'inquiète pas. Alors. Du coup, qu'est-ce qu'on est en train de dire? Oui, du coup, les joueurs, il n'y a vraiment pas beaucoup de monde. Donc à l'épisode 1, on avait croisé 2-3 joueurs, mais pas grand-chose de fou, quoi. Non, c'est pas des ennemis, ça. Voilà, pas un monde de fou, quoi. Donc bon, c'est dommage. Donc, bah, c'est peut-être après l'heure qu'il est. Hein. Pourtant, normalement, le soir, c'est l'heure de pointe des joueurs. Alors attendez, qu'est-ce qu'on a là? Méthode, discussion sur la manière de voler des civils. Mais voir. Inventaire. Y'a pas que genre des trucs, on peut pas les lire les trucs là. Qu'on ramasse. C'est même pas si on. Je suis pas un ennemi. Attendez. Je veux juste savoir. Je veux juste savoir comment on peut lire les bouquins qu'on ramasse par terre. Bon bah écoutez, je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est peut-être pas encore disponible dans la bêta, parce qu'il y a beaucoup de fonctions qui sont pas encore débloquées dans la bêta du jeu. Donc voilà. Donc on va aller au point suivant. Donc j'ai envie d'aller sur secondaire. Données analysées. Téléchargement des fichiers. Ouais. Agent, j'ai une demande un peu spéciale à vous faire. Ouais. Je ne veux évidemment détourner aucune de nos ressources, mais si jamais quelqu'un croise une musicienne,
Elle s'appelle Heather Law. J'aimerais qu'elle soit escortée à la base. Ou au moins qu'on me dise où elle a été vue. C'est ma sœur. Et elle a disparu. D'accord. Je vous donne sa dernière position connue. Le camp de civils près des quais. Celui qui n'existe plus. D'accord, ok. Donc terminé. Donc il faut qu'on retrouve quelqu'un, il faut sauver quelqu'un. Donc je pense qu'il doit y avoir des ennemis, hein. Ça, c'est logique. Donc il faut qu'on le ramène au camp de base. Donc le truc où il y a toutes les quêtes, tout le bordel activé qu'on a fait au début. Fouille la zone. Très bien. Je pense que ça va... C'est trop tranquille, je vous le dis. Je vois pas ce qu'on peut faire par ici. Écoutez, on va chercher, hein, mes chers amis, on va écouter, on va chercher un peu les indices. Zone du cloud. Allez, en cours. Alors, activer écho. Qu'est-ce que c'est que ça? Wow. Le musicien joue de la guitare dans le camp de Hudson. Ah oui, ok, c'est comme ce que j'avais fait tout à l'heure sans... Ouais. Merde, j'ai oublié le radio de Faye à la maison. Mais... Attends, tu vas pas y aller? Ils ont foutu le feu au magasin de l'autre côté de la rue. C'est trop dangereux. Écoute, Faye m'a dit de la contacter tous les jours. Et elle est deux fois plus chiante quand elle a peur que quand elle a pas peur. Et elle a tout le temps peur. D'accord. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec ça? Apparemment, il y a des gens qui attendent pour rentrer. Est-ce que c'est une sorte de camp, quoi? Ouais. On a déjà tout fait, je pense. Allez, donne-nous les bâtonnets de poisson. Non, chérie. On en a besoin. Mais j'aime pas ça, moi. Ok, donc là, c'est juste une gamine qui veut donner... Ok, donc faut que j'aille où maintenant? On retourne à la base, c'est ça? On a ramené personne. Bah, j'ai pas tout compris, mes chers amis. On va bien voir... Putain, à chaque fois, les civils, j'ai l'impression qu'ils... font quoi? Qu'est-ce que vous faites? Ils se battent pour de la bouffe. Ils se battent pour la bouffe, d'accord, ok. Donc comme j'expliquais lors du premier épisode, au début de la vidéo, j'expliquais que voilà, la bouffe et l'eau, tout ce qui est des moyens de survie, bah c'est très très rare. Du coup bah tout le monde se bat un petit peu quoi. Pour garder de la bouffe. Ça, les pauvres gens quoi, ils sont... Les pauvres gens qui sont un peu en mode SDF dans la rue, c'est dommage. Bon. En tout cas, je suis très content de jouer à cette bêta, hein. Ça m'excite vraiment. Bon, m'exciter, voilà. C'est pas non plus voilà, une grosse excitation, mais voilà, ça faisait un petit moment que j'attendais de jouer à ce jeu, parce que j'avais vu des gameplay, par exemple, de I Kill You. Donc, pour ceux qui connaissent pas, hein, je vous en ai déjà parlé lors d'une autre vidéo. Allez. Voilà, c'est un peu mon modèle, moi, qui... Ouais, oh. C'est un peu mon modèle Alkilio, moi je m'inspire beaucoup de ce youtubeur. Voilà. Donc là, je m'inspire beaucoup de YouTube, de ce youtubeur pour voilà. Pour faire mes vidéos. Parce que je trouve qu'il fait vraiment de la vidéo de très très bonne qualité. Et puis voilà, c'est un youtubeur que j'apprécie énormément. Voilà. Ça me fait trop kiffer de trouver de nouveaux trucs. Donc, pour ceux qui se demandent comment je m'inspire, bah de temps en temps, voilà, je me rends sur la chaîne de I Kill You. Putain, mais... Ah, la vache. Oh, j'étais pas loin de mourir. Oh là là. Putain, hé. Ouf, ouais, j'ai sursauté mes chers amis, putain, hé. Ils étaient pas là il y a 2 minutes, alors comment vous voulez que je sache que... Attendez, il y a encore des ennemis là, ou... Je vois des taches rouges sur l'écran. Sur la cam. Sur pas sur la cam, mais sur. Qu'est-ce que c'est? Comment on entre? Il y a l'air d'avoir quelque chose à faire là-dedans. Bon, on va aller valider notre quête. Histoire d'avoir un peu d'XP.
on va aller vendre aussi un peu le stuff qu'on a récupéré, un peu la merde là, qu'on a récupéré. Et puis après on va voir ce qu'on va faire. Je crois savoir ce qu'on va faire. On va retourner au tout début de la map. On va voir ce qu'il y a, si... parce que j'ai pas trop fait gaffe à ce qu'il y avait, donc bah écoutez, on ira voir. Fouiller la zone. Les relevés indiquent la présence d'un écho dans les environs. Ouais. Vas-y, analyse ton truc. Voilà. Qu'est-ce qu'on a ? Personne disparu. Allez, allez. Ouais. Elle essaie de crocheter, non ? Non, en fait, elle rejoint sa maison, d'accord. Eh ben, y'a pas de soucis. Ok, c'était pas fini apparemment, ok, merde. Le con. Fallait attendre, d'accord. Hop, je me suis fail, pas de soucis. Alors ? Ouais. Et après? Il va se passer quelque chose, je pense. Non, il se passe rien. Collecter. Ok, merde, putain, je suis con. Non? Faut attendre. Qu'est-ce qu'on doit faire? Oh, regardez. Vous avez vu? Bref, bon, bah, on va quitter cet endroit. Hein. On n'a pas que ça à faire. Bon, attendez, on va regarder un peu sur la map ce qu'on a à faire. Quelle merde! J'aimerais bien dire à celui ou celle qui m'a envoyé ici d'aller se faire foutre. Qu'est-ce que c'est quoi? On va y aller. Parce qu'apparemment il y a la partie 3 là. J'avais pas vu. Vous êtes proche d'un écho lisible. Oh mais ça on l'a déjà vu. Donc, merci. Mission principale. Ah ben on va la faire plus tard mon cher Coco. Putain je vais stresser tous les PNJ moi, avec mon flingue. Sécuriser la zone. On va tester le nouveau jouet. Ça lui a pas fait de dégâts, donc je pense que c'est bugué. Je crois que j'ai du lag. Je suis pas sûr. Ouais, bon, moi. J'ai eu des coups de lag. Balise d'écho actif détectée. C'est dommage que ma bombe elle a pas marché là. J'aurais pu vous montrer un peu comment ça marche. Tout à l'heure ça avait marché. Fouiller l'écho. Ah bah voilà. Pourquoi ouais. Nous on reste ici à skyer pendant que tu fais ton marché? Putain, comment on se les caille? Vos gueules, faites gaffe à ce que personne se pointe. Parce quoi? Il y a quoi là-haut? On va monter voir. Et voir un peu ce qu'il y a. Tiens, je vais aller voir là ce qu'il y a. Je regarde un peu tous les marqueurs qu'il y a, un peu ce qu'ils veulent dire. On teste les un peu tout. Hein. Indique la présence d'un écho dans les environs. Ouais, bah je viens de le voir, donc merci. Oh bah j'ai perdu une barre de vie, merde. Le con. Hein.
Où est mon Michel? Attends. Nous essuyons des tirs d'armes légères. Je répète, nous essuyons des tirs d'armes légères. Des tirs d'armes légères. L'arme principale. Si quelqu'un de la JTF entend ce message, répondez. Elle se vide vachement vite ces balles là. Hein. Ok. Change de chargeur. Bon, et du coup, je vous avais parlé de jouer avec un pote pendant l'épisode 2, mais finalement, j'étais trop pressé de rejouer avec vous. Du coup, bah voilà, j'ai préféré rejouer seul. Je suis désolé aussi pour le premier épisode. Ça leur a fait mal. Pour le premier épisode, bah j'ai pas beaucoup parlé, donc je sais pas ce qui m'a pris. Voilà. Je suis désolé. Sans vous, on serait tous morts. J'espère qu'ils réfléchiront à deux fois avant d'attaquer une patrouille de la JTF. Attention, force hostile en approche. Comment ça, force hostile en approche? Attendez, je vais prendre mon nouveau jouet. Ça marche pas. Je pense que c'est faut que ça soit corrigé ce bug. Ou alors c'est moi qui l'a, je ne sais pas. Ou alors je le pose mal. J'y tiens vraiment pas. Force hostile en approche. Je vais prendre un coup de PV, voilà. Attendez, je les ai vus. Ou alors c'est des alliés. Non non. C'est pas des alliés. Ça, c'est un ennemi, ça. Attendez, je recharge, on y va. Ouh. Ah d'accord, ok, il a pété carrément. Peut-être pour vachement charger son chargeur là. D'accord, bah c'était une petite quête sympa alors. Je vais aller chercher les loots s'il y en a. Il n'a pas l'air d'en avoir, donc on va retourner voir le... Non, il n'y a pas besoin de retourner voir le bordel. Non, c'est bon. Attends, allez, regardez un peu la map, c'est ici. Merde, j'aimerais bien dire à celui ou celle qui m'a envoyé ici d'aller se faire foudre. Les cadavres m'arrivent jusqu'aux genoux. Ça... Je vais aller sauver l'otage. Voilà, voilà pourquoi je disais que j'adore ce jeu, c'est qu'il y a toujours... voilà, ce que j'aime bien dans ces jeux comme ça, voilà, je vais essayer de trouver mes mots, j'ai trouvé. Ce que j'aime bien dans les jeux comme ça, c'est-à-dire vous balader dans un monde ouvert et à tout moment il y a un PNJ qui peut vous croiser et vous dire oh, bonjour, excuse-moi, machin, une quête pour toi, lol, MDR, XP, récompense, tu vois. Et du coup, et bah, moi j'adore. Moi c'est ce que j'aime dans les jeux comme ça, c'est vous jouez et puis il y a un PNJ qui vient vous voir ou voilà quand vous baladez vous voyez une quête qui vous attend, tout ça, c'est vraiment cool. En plus il y a cette histoire de renégat tout ça là, donc que je vous ai dit fait, c'est genre attention, présence de style détecté. Oulala. Attendez, je finis mes explications un peu de combat, je me concentre. Oh, putain je prends. Merde, mais c'est des flics. Ah non, c'est des... Je sais pas ce que c'est, mais c'est des racailles. Ok, alors... Du coup, ce que je vous disais... C'est que, voilà, moi j'aime bien qu'il y ait des PNJ qui viennent comme ça, ils vous viennent, ils vous interpellent. Moi j'aime bien. Clairement, je sais pas si c'est ça que je parlais à l'heure actuelle, mais... Voilà. Moi c'est ce que j'aime dans les jeux comme ça. Mais donc c'est un... Clé de l'otage. Très bien. Relâcher les otages. Hein? Quoi? Je fais gaffe parce que s'il faut relâcher les otages... Ou alors c'est un... La clé de cette porte doit être quelque part par là. Ah non. Les civils ont été mis en sécurité. Nickel. Petite quête comme ça. Pour un jeu en bêta, c'est pas mal. On va regarder ce qu'il y a là. Gant renforcé. Du super boulot. Continuez. Wow. Gant renforcé. Bon alors du coup on va regarder un peu ce qu'on a dans notre inventaire. On va essayer de s'équiper de meilleures armes hein, quand même. Voilà. On a quoi ici?
Donc je vais prendre ça, j'essaie de m'équiper le mieux possible. Voilà. Et c'est tout. Parce qu'il n'y a pas de point d'exclamation. Donc on continue, presque au niveau 6. Il y a un truc à regarder ici. Je pense que c'est la sortie dehors, non? Non. Il y a un PC, d'accord. Rien à ramasser? Rien à ramasser. Bon, bah on continue. Je sais pas combien de minutes on est à l'épisode là, mais je vais continuer à tourner encore un petit peu parce que je dois vraiment tourner avec vous. Attendez, je pense savoir combien de minutes on est. D'accord, bon allez, 25 minutes d'épisode, ça va. Pour le moment, ça va. Ah, attendez, il y a des containers à ramasser ici, il faut qu'on entre dans le bâtiment. Je fais gaffe, hein. Ouvre la porte. Ça m'a l'air bien louche. Oh, le frigo. De l'eau. Ah, cool, ça c'est pour... je pense que c'est pour se reprendre de la vie. Il y a un truc à briller là. Non? Ou c'est moi qui ai bugué? Il y a un truc à ramasser dans cette pièce. Là, ici. Sac à dos. Allez, ouvre-le. Ok. C'est un peu bugué, hein. Du soda. Très bien. Ensuite. Je pense que c'est dans la pièce d'à côté, exactement. Alors, qu'est-ce qu'on a? Les armoires. Veste cintrée tendance. Ok, donc ça c'est des. Je pense que c'est des vêtements d'habillement dans votre inventaire. Appuyez sur I, ouvrez votre inventaire et dans l'onglet apparence. Voilà, c'est des trucs d'apparence. Donc ça. Veste cintrée tendance. Pas qu'à simple. D'accord. D'accord, ok. Maintenant, à quoi j'en sens maintenant, voir. Allez, en plus avec mon perso. Ouah, ça va nickel. Je sais pas ce que vous en pensez. Dites-le dans les commentaires. Est-ce que je suis beau ou pas? Ok, bon, ça je... On va pas faire la garde-robe non plus, hein, ça va. Alors donne-moi les trucs intéressants. Qu'est-ce qu'on a eu? Ok, moi, je pense pas qu'on puisse le ramasser, on doit être full en ça, je pense. Bon. Bah écoutez, mes chers amis. Je pense qu'on va se laisser ici pour ce deuxième épisode. J'espère que la série vous plaît. En tout cas, moi, je m'éclate à faire cette série avec vous. Hein. C'est complètement dingue, cette série. Donc, bah, écoutez, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à faire voilà les choses comme d'habitude. Hein. Vous connaissez maintenant un peu les bails. Donc, c'était Phoenix Gaming. À la prochaine. J'espère que vous serez encore là. Allez, à plus. Hein. Salut!